Un auteur royal a affirmé que les visites du prince Harry et de Meghan Markle au Royaume-Uni ne seraient pas aussi dignes d'intérêt dans quelques années s'ils retournaient dans la famille royale. Robert Hardman, auteur royal et chroniqueur du Daily Mail, a discuté de la présence du prince Harry et de Meghan Markle au Jubilee. Le couple royal est revenu à Londres la semaine dernière pour assister aux célébrations du Jubilé royal de Queen's. Monsieur Hardman a expliqué comment le couple royal gardait un profil bas, tout en assistant à certains événements du jubilé. L'auteur royal a affirmé qu'il restait encore un long chemin à parcourir pour normaliser leur retour dans la famille royale. Monsieur Hardman a déclaré sur le podcast Palace Confidential, les Sussex ont en fait gardé un profil assez bas. Ils se sont présentés aux choses auxquelles ils avaient dit qu'ils se présenteraient et pas à d'autres choses. Et je pense que cela aura beaucoup contribué à normaliser, si vous voulez, leur retour sur ces côtes. Et je pense que dans quelques années, ce ne sera même plus digne d'intérêt s'ils reviennent pour quelque chose. Justin. Le prince Harry mal à l'aise a dit il y a eu des spéculations depuis que le couple royal a visité le château de Windsor en avril avant de se rendre aux Jeux Invictus. Le couple a été repéré par des touristes choqués alors qu'il rendait visite à d'autres membres de la famille royale, sur le terrain du château. Harry et Meghan ont fait tourner les têtes lorsqu'ils se sont présentés à la cathédrale Saint-Paul, car de nombreuses personnes semblent surprises de voir le couple royal assister aux services et aux célébrations du jubilé. Certains experts royaux disent qu'ils pourraient revenir lentement dans la monarchie.